Bonjour à tous les blogueurs, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2019 et on va faire le point sur l'actualité sur Dokkan Battle. On va commencer par la version globale, puis on enchaîne sur la version japonaise. Avant de commencer la vidéo les amis, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui mettront le petit pouce bleu de soutien. Et puis si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD. Et surtout, active bien les notifications pour la séance de stream tous les soirs. Voilà, je compte sur toi. Donc on va commencer par la version globale les amis. Voici la gueule du portail du trio Kamehameha Familial LR. Y a des promos. Et j'avoue que c'est dur de résister à des promos. On va checker le détecteur. Bon, voilà. L'objectif de pas mal de gens, c'est ce Goten et ce Gohan. On revient plus sur la carte. C'est, en français, c'est lien de fratrie. D'accord, moi j'ai cru que c'était fraternité. Nous avons ce Gohan qui est très très bon et qui complète la carte, le LR en question. On y reviendra juste après. Il y a le retour de Vegeta Blue Evolution. Le retour de Vegeta Blue Tech, j'en ai marre de le voir partout. Hein, il est actuellement disponible sur la version japonaise. Lui les amis, je le convoite fortement. Pourquoi? Parce qu'il manque un seul Battle Road sur la version globale. Un seul. Et c'est le sang mêlé. Tant que j'ai pas le leader, je pourrais pas le faire. Donc, je suis tenté, tu vois. Je suis tenté de claquer quelque chose sur ce portail. Le brûlé CG3, autant te dire qu'on s'en bat les couilles. Je l'ai à 100% sur mon compte global. J'ai un ou deux doublons. Je cracherai pas sur un doublon supplémentaire. Et là, par contre, on se posait la question, mais qu'est-ce que ça fout là? On s'en bat les couilles. Et pareil, ce Goten qui n'a pas d'éveil. Il aurait pu avoir un éveil, mais bon, après, je pense qu'il s'est tiré du film Bio Broly. Donc, potentiellement plus tard, il n'est pas dégueu, hein, il a une grande chance de réduire les dégâts encaissés de 40%. Après, le reste, c'est DSR. Promo 30 DS, 35 DS et 45 DS pour le premier cycle. Et ensuite, la quatrième est gratuite. Et ensuite, les prochaines salves de multi sera à 50 DS. Sachant que les 4 ans, arrivent dans 2 mois. Qui proposeront également 3 multi 4ème offerte. Je tenterai peut-être multi sur une prochaine vidéo, mais j'avoue que... En fait, moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est les deux, quoi. Le LR, plus surtout le Gohan sans mêlée. J'en aurais bien besoin, les amis, pour finir le Battle Road. Alors, on va enchaîner, les amis, je vais pas parler de ce Gohan, qui est très très bon, les amis, hein. Donc c'est le Gohan qui est pour l'instant exclusif à la version globale. Leader alternatif pour les héros de film, c'est un leader à 120%, ce qui est vraiment pas mal. Il invite des dégâts colossaux, il diminue l'attaque de l'adversaire. Et puis voilà, ça c'est très très bon. Ki plus 2 et 40% pour la catégorie héros de film, c'est un peu El Famoso support, enfin néo support de catégorie. Un peu à la Champa. Et puis il attaque à def plus de 100%. Lorsqu'il affronte un ennemi de la catégorie boss de film. C'est pas mal du tout, hein. Si on additionne les deux, il aurait quasiment plus de 140%. Et en plus, il empêche le carnage. Bon, empêcher le carnage en même temps, en 2019, j'ai envie de te dire, ça sert presque plus à rien. Peut-être qu'un jour, on aura un nouveau Broly complètement déchaîné et qu'on aura besoin d'empêcher le carnage. Pour l'instant, ça sert à rien. Il a combat acharné, combat violent, qui proc avec le LR, 15%. Il a aussi, en gros, il y a tous les liens qui proc, quoi, en fait. Excepté l'origine des Saiyans, mais sinon tout le reste proc. Excepté jugement serein aussi. Donc voilà, sinon il a 8300 en attaque, 4600 en défense, qui est très très correct pour une unité qui n'est pas Dokkanfest. Et puis 8400 PV, c'est un peu juste. Donc voilà, à la limite, ouais, il faudrait l'avoir aussi, hein, si vous avez droppé le trio LR, il le faudrait, les amis. On va enchaîner sur la version japonaise. La version japonaise qui a eu une petite mise à jour également, très prochainement, d'ici 2 jours, nous aurons le retour de l'event Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Broly, et il y aura un nouveau niveau, et on va pouvoir farmer en fait ce Gogeta, un Gogeta forme de base. Le voici. Il sera gratuit, ça fait plaisir. Et en plus, les amis, il va passer ZTUR. C'est assez surprenant. Bon, on crache. Bah, du coup, mine de rien, sur l'event d'un bol Super Broly, nous aurons 3 ZTUR gratuits. Alors, voici ses stats. Alors, merci encore une fois à Jean-Michel Coué pour avoir fait les traductions. Leader fusion,
Leader Free to Play Fusion, c'est vraiment pas mal. Donc 77%, ou sinon il donne Ki plus 2 et 30% pour le type puissance. Il inflige des dégâts colossaux, il augmente son attaque. Son passif, attaque et def plus 77%, attaque et def plus 20% si l'équipe contient des alliés famille Goku. 20% supplémentaire si parmi les alliés on a des alliés de la catégorie famille de Vegeta. Et en plus, il a attaque extrêmement efficace s'il y a un ennemi de catégorie boss de fil. Bon, unité free to play, c'est un peu fumé quand même. Niveau lien, la guerre est fusionnée, voilà. L'origine des Saiyans, vitesse époustouflante, combat décisif, briser la limite, Kamehameha. Dommage qu'il n'y ait pas par combat, mais il y a quand même de très bons liens, les amis. Et ce qui est bien, c'est que c'est un Gogeta forme de base. Donc, il peut être joué avec les autres Gogeta Super Saiyan. Donc, on peut quasiment faire une team full Gogeta, en fait, avec Vécu. Donc voilà, très bonne unité à farmer gratuitement. Alors pour l'instant, on connaît pas encore l'Extreme Z Battle. Moi je pense que il faudra soit faire l'Extreme Z Battle d'Ikari, Broly Ikari. Du coup, on n'aura pas 30 DS supplémentaires à récupérer. Je pense pas qu'ils vont faire un Extreme Z Battle spécial Gogeta. Donc c'est soit Broly Ikari, soit on va refaire l'Extreme Z Battle de Gogeta puissance, celui qui a un arbre de rang S. Donc voilà, c'est un peu dommage, je pense pas que voilà, on aura de nouveaux DS. Parce que moi je me suis dit, putain, encore un nouveau SZTR, donc encore 30 DS, et ben non. Parce que bon, là actuellement, d'ici 24 heures, il y aura l'Extreme Z Battle du Black Goku Endurance. Donc on a déjà 30 DS à récupérer, donc là je pense que on va devoir refaire l'Extreme Z Battle de Broly Ikari, les amis. Pardon. Autre point concernant le nouveau mode de jeu, quelques informations concernant le nouveau mode de jeu, voilà, c'est cet event. Alors, apparemment, il est question, il y a des missions à faire, et en fait, à chaque fois qu'on va réussir cet event, on va récupérer 5 DS. Alors, après, selon les traductions, c'est pas marqué, c'est pas indiqué la même chose, mais apparemment, on pourra le faire 7 fois. Bon, Kowa, il a dit 5 fois, mais sur Reddit, il dit 7 fois, donc, bon, bref. On va dire que au minimum, on récupère 5 fois 5 DS, donc 25 DS ou 35 DS. Après, est-ce que l'event sera difficile? Apparemment, enfin si, c'est marqué aussi difficile qu'un Battle Road. Alors ça dépend, si c'est un Battle Road monotype, ça va, c'est pas trop dur. Si c'est un Battle Road catégorie, là c'est plus dur. Alors par contre, vous allez rigoler, on va affronter un Goku du tournoi du pouvoir. Alors comment te dire quel est Caulifly LR? Je rappelle qu'elle part en spé, enfin lance une attaque spé supplémentaire lorsqu'elle affronte un Saiyan pur et un ennemi de la catégorie survie de l'univers. Goku, c'est les deux. Enfin ce Goku, hein, c'est bien le tournoi un Goku du tournoi de l'univers, c'est les deux. Donc en gros, quel est Caulifly LR? Si tu pars en spé, elle va lancer 4 attaques minimum sur ce Goku, dont 3 attaques spé. Donc je rappelle que Kelly Kulifel, à chaque fois qu'elle part en spé, elle augmente sa défense. Je pense qu'on peut atteindre les 1 million de défense d'ici à la fin du combat. On va affronter toutes les formes de Goku, hein. Donc Goku est forme de base, Goku SJ2, ensuite Goku. Ah, il n'y aura pas Goku SJ3, il y a Goku bleu, Goku Ultra Instinct et Goku Blanco. A chaque fois, on va partir 3 fois en SP. Voilà. Alors, si c'est bien que des Goku du tournoi d'hiver, si c'est pas que des Goku du tournoi d'hiver, de toute façon, la première phase, c'est un Goku forme de base, tournoi de l'univers, ensuite, t'as l'Ultra Instinct Blanco. Goku bleu, donc tout ça devrait rentrer sur l'univers. Après le SJ2 et SJ God, ça peut être des Goku tirés d'autres moments. Donc pour les gens qui ont quel écotif et la LR, bon bah c'est réglé je pense, hein. Si en plus c'est de type puits, j'ai envie de te dire que voilà, vous allez récupérer les 25 DS ou les 35 DS là. Mine de rien, à chaque fois qu'on le réussit, on gagne 5 DS, franchement c'est pas mal du tout. En tout cas, j'ai hâte, l'event commencera demain, donc le 9 mai. Pour l'instant, pas de trace du trio LR sur la version japonaise. Il y a des nouvelles missions aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les missions pour récupérer des nouvelles DS. On a aussi le rouleau, etc. Donc voilà, pas de trace du nouveau portail. Pour l'instant, le portail est exclusif
à la version globale, les amis. En même temps, est-ce qu'ils vont sortir un portail avec tout ce qui est à farmer là? Et en plus, il y a tous ces portails qui sont encore là, qui traînent. Le step-up qui reste jusqu'au 21 mai, je crois. Enfin, jusqu'à, disons, fin mai. On a encore ce portail qui reste 8 heures. Enfin, les promos qui restent encore 8 heures. Mais après, le portail vont encore rester pendant une semaine, je crois. Donc voilà, les amis. Alors, l'Extreme Z Battle de Gogeta Puissance, ils sont disponibles. Enfin, il sera disponible pardon, le 9 mai à 8h du matin. Je croise les doigts pour que ce soit un Extreme Z Battle free to play. Un Extreme Z Battle nouveau, mais bon, je pense que ce sera le retour de l'Extreme Z Battle de Broly Ikari. Bon, allez, sur ce, les amis, bonne chance pour vos poules. Faites attention sur la version globale, hein, y a Broly qui arrive. Après, j'avoue que c'est sexy, c'est très très sexy d'avoir des promos. Bon, passez une bonne journée, bonne chance pour vos poules encore une fois. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD et les prochaines séances de stream. Et puis, si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne dans la description, la petite page YouTube. Passez une bonne journée, à tout à l'heure pour d'autres VOD. Ciao.